Bonjour! Cette capsule a pour but de vous présenter le contenu du cours. Donc, euh, comme vous le savez, c'est un cours de deuxième cycle universitaire et ce n'est pas un cours obligatoire. Donc, dans ce contexte-là, euh, les enseignants ont un petit peu plus de, de, de latitude sur le, le choix du contenu du cours. Alors, je vais vous expliquer ici euh, ce que j'ai choisi puis pourquoi je l'ai choisi surtout. Alors, il y a trois grands éléments qui ont euh, qui, qui, qui m'ont motivée dans le choix du contenu. Le premier, c'est l'utilité du contenu. Donc, euh, j'ai euh, quelques années d'expérience euh, d'expérience pratique dans l'industrie. Donc, j'ai pris soin de choisir des éléments qui euh, m'ont vraiment été utiles ou que j'ai vu utiliser très, très, très souvent dans, euh, dans le milieu professionnel. Donc, premier élément, l'utilité des méthodes. Deuxième élément, euh, je me suis assurée de couvrir les fondements importants. Donc, des méthodes qui sont peut-être moins utilisées un peu, mais qui représentent des fondements importants sur lesquels souvent se basent d'autres méthodes ou se base toute la compréhension qu'il y a derrière euh, y a derrière les problèmes qu'on peut vivre parfois euh, quand on travaille en sciences des données. Donc, deuxième élément, les fondements importants qui vont vous permettre de comprendre, euh, de comprendre un peu mieux ce que, ce, que, ce que vous faites les problèmes que vous rencontrez. Euh, troisième élément, eh c'est comment le cours se place par rapport, dans, par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres cours du programme, essentiellement du programme de statistique et d'informatique, parce que... Euh, C'est euh, de là que viennent essentiellement là, les étudiants de ce cours-ci. Euh, mais j'ai pris soin, sachant qu'il y a aussi des étudiants qui viennent d'autres programmes comme de l'administration, euh, des, euh, des différents programmes de génie, des biologies. Donc j'ai pris soin aussi euh, d'inclure des éléments là, plus généraux pour les personnes pour qui ça va vraiment être le, le seul cours de modélisation là, pendant leur programme de maîtrise. Donc regardons plus en détail le contenu que nous allons couvrir. Alors, vous voyez ici, le cours se sépare en 1, 2, 3, 4, 5, euh, 5 grands thèmes. Premier thème, introduction. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va regarder très brièvement comment, euh, comment ça se passe un, un projet de modélisation des données. Donc, c'est quoi les grandes étapes? Pour, pour, pour gérer un projet comme ça, comment on, comment on commence quand on fait un projet? C'est quoi les choses auxquelles il faut penser? Deuxième, euh, deuxième élément dans l'introduction, on va parler des données elles-mêmes. Euh, donc, on va parler des types de données. On va parler aussi de problèmes qu'on rencontre souvent avec les données, donc la préparation des données, l'imputation des données manquantes. Donc, on va, on va regarder ce genre de, de questions-là. Dans l'introduction. Deuxième grand thème, réduction de la dimensionnalité. Alors, euh, réduction de la dimensionnalité, là, ce qu'on veut faire dans ce temps-là, c'est quand on a, qu on a une, une base de données qui contient souvent beaucoup, beaucoup de variables, donc beaucoup de colonnes, là, si on, on travaille avec un, un chip là. Donc, euh, donc, beaucoup de colonnes, ça devient parfois trop difficile à... Analyser soit pour l'humain ou même pour la machine parfois. Donc, on va chercher à réduire la dimensionnalité, donc à ramener le plus d'informations possibles dans le moins de, de variables ou de colonnes possibles dans notre jeu de données pour ensuite pouvoir l'analyser avec notre œil et notre cerveau euh, humain ou pouvoir l'intégrer dans des modèles pour faire de la prédiction. Donc, à l'intérieur de ça, on va couvrir la méthode classique, le, le grand classique qui est. L'ACP, donc l'analyse en composantes principales. Celle-là, on va la couvrir vraiment en détail parce qu'elle fait vraiment partie des fondements. Donc, une fois qu'on comprend celle-là comme il faut, les autres s'appuient ou sont des variantes de, de cette méthode-là, si on veut. Donc, ça va être le cas des analyses factorielles, de l'analyse des correspondances binaires et multiples, ACB et ACM, qui sont des stratégies un peu similaires mais qui s'appliquent à des variables qui sont discrètes. Et ensuite, on va parler brièvement d'autres méthodes plus avancées, euh, probablement comme les auto-encodeurs, qui sont aussi, à quelque part, une certaine forme de variante là, de l'ACP. Donc, deuxième grand thème, réduction de la dimensionnalité. Troisième grand thème, regroupement. Regroupement, on peut appeler ça du clustering dans certains secteurs, on peut appeler ça de la segmentation. Dans certains secteurs, on peut aussi appeler ça parfois des, euh, de l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est un vocabulaire qu'on va utiliser un petit peu plus en informatique. Euh, mais ça, ça réfère, toutes ces méthodes-là réfèrent à des façons de regrouper les observations dans notre jeu de données. Donc, de re, regrouper les observations qui se ressemblent dans un certain nombre de groupes. Donc, analyse de regroupement. On va couvrir là-dedans mesure de distance, comment on choisit, qu'est-ce qui fait que deux observations se ressemblent ou pas. Okay? Donc, cet aspect-là a un, une très, très grande importance en pratique parce que les résultats qu'on va avoir vont très, très, très grandement euh, dépendre de la mesure de distance qu'on va choisir. Ensuite de ça, les grands classiques, les cas moyennes et les cas médoïdes qu'on va couvrir en détail ainsi que la méthode hiérarchique. Donc, trois, appro euh, trois approches classiques quand même mais euh, très, très, euh, très utilisées encore parmi celles que j'utilise le plus en raison de leur facilité d'application et euh, surtout pour la méthode hiérarchique, là, le fait de se créer des groupes mais qui ont une hiérarchie entre eux, ça peut être très, très, très intéressant, notamment dans des applications en, en marketing ou même en, en biologie ou ce genre de choses-là. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, c'est des méthodes qui ne sont, qui sont pas récentes du tout, mais qui sont encore très, très, très utiles. Ensuite de ça, on va aller dans des méthodes un petit peu plus avancées. Mélange de densité. Euh, donc, vous avez peut-être entendu parler de ça sous le nom de euh, Gaussian Mixture. Mais ici, on va... Euh, non, ce ne sera pas ici juste des mélanges de Gaussian, mais on va le regarder de façon un petit peu plus générale. Donc, on cou pourrait couvrir... Euh, on pourrait faire des mélanges de Gaussian, mais on pourrait faire des mélanges d'exponentiel, de loi de bêta. Donc, ça pourrait être euh, toutes sortes de choses dans nos mélanges. Donc, on va parler de ça dans la section sur les mélanges de densité. Et puis, on va passer brièvement sur euh, des B-Scan, qui est une méthode beaucoup plus simple que la méthode des mélanges de densité et qui peut être très, très, très utile si vous travaillez avec des images. Euh, donc, on va finir tout ça en comparant les méthodes, évidemment. Puis, je vais vous donner quelques trucs pour savoir quoi utiliser quand, parce que euh, chaque méthode a vraiment ses avantages et ses inconvénients. Et si vous faites... Euh, des b par exemple, sur une segmentation de clientèle, ça ne ça, ça va pas vous donner quelque chose d'intéressant. Par contre, si vous faites une, un, une méthode hiérarchique sur des images, ben là, ça va pas être intéressant non plus. Donc, je vais vous donner là, quelques trucs pour savoir à peu près quoi utiliser quand. Trois, quatrième, pardon, quatrième grand bloc, donc les modèles prédictifs. Euh, c'est possible que vous connaissiez ça sous le nom d'apprentissage supervisé si vous étudiez euh, en informatique ou euh, bah, même dans d'autres domaines là, je pense que le, le vocabulaire euh, utilisé en informatique c'est un peu, euh, est un peu généralisé mais ça recoupe en fait toutes les méthodes où on, 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 on cherche à savoir la valeur pour, euh, pour une nouvelle observation en fait. Donc, euh, on va discuter de ça. On va discuter des objectifs qu'on peut chercher à faire quand on veut prédire. Dans certains cas, on veut seulement prédire. Dans certains cas, on va utiliser des modèles prédictifs, mais on va pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on est en train de faire. Donc, cette question-là, elle va nous guider dans le choix des modèles qu'on va prendre. Alors, euh, on va discuter de ça. On va discuter d'un grand classique, l'analyse discriminante. Comme c'est un peu le, 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 le premier modèle prédictif, si on veut, de, de classification. Euh, je, je pense que ça vaut la peine de le couvrir un peu, un peu en détail. Euh, mais comme tout seul, il n'est pas très efficace, il y a des variantes plus modernes. On va parler notamment de l'astuce du noyau qui va nous permettre d'améliorer grandement cette approche-là et qui est utilisée aussi avec d'autres types de modèles comme par exemple les, euh, les SVM, qu'on ne couvre pas ici par contre. Euh, on va discuter ensuite du compromis biais-variance et du surapprentissage, le gros problème quand on fait du, euh, du prédictif, évidemment. Donc, ce morceau-là, on va le couvrir très, très, très en détail. Vous allez sortir d'ici en comprenant très, très bien euh, ce que c'est que la décomposition biais-variance, ce que ça veut dire, quel impact ça a sur, euh, sur vos modèles. Puis, on va vraiment couvrir là, les fondements mathématiques derrière ça. Ensuite de ça, on va, euh, on, on va, couvrir, on va voir deux méthodes. Que, ben une méthode que j'apprécie beaucoup, là, euh, qui est euh, la méthode de la forêt aléatoire, qui est une des méthodes les plus, euh, les, les plus faciles à utiliser. Puis le, 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 la performance de ces méthodes-là, comparée à sa facilité d'utilisation, c'est très, très, très intéressant comme type de méthode. Donc, euh, on, va, euh, on va couvrir ce morceau-là. Bon, évidemment, il faut couvrir les arbres avant de pouvoir couvrir les forêts aléatoires. On va regarder ça en détail aussi. Et surtout, on va travailler sur l'évaluation des modèles prédictifs. Donc, pour faire des modèles purement prédictifs, la plupart du temps en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en essayer plein. Et puis, euh, on va... Euh, on va choisir le meilleur parmi ceux qu'on a essayé. Donc, souvent, ce qu'on va faire, puis ça va être assez facile, là, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de tester une forêt aléatoire, un réseau de neurones, un SVM, une analyse discriminante, une régression. On va tout mettre ça dedans. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de choisir le meilleur modèle en termes de, euh, de prédiction. Alors... Euh, pour faire cette étape-là comme il faut, qui est souvent l'étape la plus cruciale dans le, dans, le, dans le problème, il faut savoir choisir quelle métrique utiliser pour évaluer notre modèle et dans quel cas on utilise quoi comme métrique. Donc, on va passer une grosse partie du, euh, de la section sur les modèles prédictifs là-dessus. Parce que c'est vraiment concrètement central comme, euh, comme élément. Euh. Et puis, c'est à ce niveau-là qu'on a des décisions à prendre la plupart du temps. Euh, finalement, dernier bloc, on va parler des aspects éthiques assez euh, brièvement, malheureusement. On va parler d'anonymisation de données un peu. Ce n'est pas un sujet que je, que je connais très bien, mais je tiens quand même à l'aborder avec vous. Ensuite de ça, on va parler des biais de la discrimination algorithmique on va parler des données qui sont biaisées, on va parler de comment on fait pour évaluer le biais d'un modèle prédictif et puis on va parler des différentes stratégies pour euh, essayer d'éviter ces biais-là. Alors euh, voilà pour le contenu du cours. Donc euh, comme je vous disais j'ai sélectionné ça sur la base de trois critères, l'utilité. Euh, c'est pour ça que je c'est pour ça que j'ai choisi les, euh, les, modè les modèles de segmentation que je, que je vous ai mentionnés. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de forêt aléatoire. Euh, on va couvrir aussi les fondements. Donc euh, c'est là qu'on va, euh, va travailler un petit peu plus fort au niveau mathématique, notamment au niveau de l'ACP, au niveau de la décomposition bien variance. Et puis, euh, finalement, ben, on cherche à couvrir des éléments qui sont, euh, qui sont en lien avec, euh, qui ne qui, qui sont pas couverts finalement par d'autres euh, cours dans, dans le cheminement global euh, en, en statistique ou euh, en, en intelligence artificielle. Donc, d'autres éléments qu'il faudrait absolument couvrir et qui ne sont pas couverts ici, mais qui sont couverts dans d'autres cours, euh, je mentionnerai là-dedans la régression. Cours. Donc, euh, il y a un cours complet en statistiques sur les modèles de régression et je pense que ça vaut vraiment la peine de suivre un cours de régression au complet si jamais vous voulez vous lancer là, en sciences des données de façon un petit peu, un petit peu plus sérieuse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et ça vaut la peine de mettre un cours au complet là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on ne le couvre pas ici. Euh, autre élément qui est plus à la mode puis assez utilisé, qu'on ne couvre pas non plus, ben, ce sont les réseaux de neurones. Donc ça aussi, ça mérite un cours à part et euh, ce cours-là est offert, il euh, y a un cours qui est offert là-dessus là, au département d'informatique que je vous invite à suivre, sinon il y a énormément de tutoriels en ligne là, qui vous permettent euh, d'apprendre euh, comment fonctionnent les, les réseaux de neurones si jamais vous n'avez pas l'opportunité de suivre le cours qui se donne ici. Vous pourrez me contacter, je pourrais vous, euh, vous donner d'excellentes formations en ligne sur les réseaux de neurones.